Et là, ça passe. On s'est passé pour Courtenay. Ouais, bon, il n'y a pas l'option défausser Courtenay. Donc apparemment, il faut faire toujours autre chose. Je pense que c'était une bonne idée. Ah, un petit zoom. Ouais. Ouais, je t'arrose de fric, vas-y. Bref. Everybody wants to party while Nathan gets away with murder. Oh là là. Le compartiment électrique. Putain, il y a même les grosses. Par contre, ça tombe pas les grosses pendant. Un enrouleur. Ah, on peut pousser l'enrouleur. Pourquoi pas? Qu'est-ce que. I could push this out of the way and officially crash the VIP section. Oh! Whoa, whoa, what the fuck is going on? Okay, okay, whoa, whoa, who stopped the music, okay? DJ, what the fuck? Oh my god! Oh, j'ai cru, je suis allé voir des manches. Ah bah voilà, on y est au carré VIP. Tranquille. Ah, un message de Kate. Un message de Kate. Alors. Merci infiniment d'être venu, Max. Tu m'as fait chaud au cœur, Kate, j'étais si contente de revoir ton sourire. C'est vrai que c'est le moment de lui répondre. Tu comptes tellement pour moi, tu comptes beaucoup pour nous tous. Je dois y aller, passe un bon moment avec Warren au drive-in. Il est tellement mimi. Il a même apporté les livres dont j'avais besoin pour réviser. Fais-lui un gros câlin de ma part. Promis, appelle-moi quand tu peux. Enfin, sauf maintenant, là, je suis un peu... Le carré VIP est exactement lié. Le VIP. Nathan is the Vortex Core. So his ass has to be here tonight. Bon, apparemment, tout le monde s'en fout de toute façon, donc. Bonjour. Madame, monsieur, dame, bonjour. Oh, ça fait un peu jeune, hein. Après, il est miné, donc il est miné. Victoria is next on Nathan's hit list. Should I warn her? On peut repasser par là pour les troller. Genre, hé, hey, coucou. T'as vu, je suis passé, t'as vu. Regarde. Hé, hey, t'as vu, je suis passé, t'as vu. Allez, salut. Et tu m'as pas, elle s'en fout. Salut Anto, comment tu vas? Ah, Taylor. Oh my god, Max, seriously, what are you doing here? Taylor, have you seen Nathan yet? Fais pas attention, Anto, il est bourré. This is a VIP area, so you should get back to the booth. Non, ouais, continue à trémousser, pétasse. Keep on dancing for Victoria, Taylor. And stay away from Nathan. Like, thanks for your concern. Voilà. L'unité d'oxygène. Peut-être la faire exploser. An oxygen kit might come in handy if somebody binges. De la nourriture. Chips and crackers. Spare no expense. Ah, elle parle encore pognon. So the Vortex VIPs get real alcohol at their underage bar. Again. Parler au barman. Oh,
Ah, Victoria est là. Il y a Nathan, il y a même peut-être extraterrestre, mais c'était pas lui. Bon, on va directement aller parler à Victoria, donc on peut aussi juste s'asseoir, voilà, et profiter de la soirée. Kate almost dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. Et ouais. Look at these entitled assholes. They don't give a shit about anybody. If that tornado came right now, I would just sit here and watch. Ouais. Oh, c'est trop la fête ici. Oh là là. Moi, j'adore balancer mon pognon au prostitué. Alors, discutons avec Victoria. Si j'y arrive. Pire, on reculera si ça ne fait pas. Sorry Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. You still pissed about me taking your picture? Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. Ah oui, au fait, si vous êtes épileptique, évitez de regarder. Hein. Non, on s'en prend juste plein la gueule. Alors, Nathan, accusé, je ne t'accuse pas. Attends, on va surtout chercher Nathan, on va pas l'énerver. Nobody at that party even cared she was so wasted. It's a fucking party! Everybody is wasted! What do you want from me? Some humanity, Victoria. Well, you got Nathan busted out of Blackwell, so you should be happy. And I'm the only person here who cares what Nathan is going through. This is bigger than a problem, child. I'm not perfect, okay? I'm a teenager at an art school. I'm only here to become a photographer and get famous. Tu es talentueuse, t'as aucun... Jefferson! 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 Ah oui, notre professeur de photographe. Did you tell Mr. Jefferson last night that you saw me talking to him? Saw. And heard. We were just talking about how excited he is for the Everyday Heroes contest. That doesn't mean I'm going to win or anything. I hope you win fair. We'll see. Dans les règles. And Max, I know you don't like me either, so it's not like we have to be friends or anything. Mais attends mieux. Good. I have real friends. I wouldn't want a fake one. You try to act like all shy and humble. You took a picture of me covered in paint. Who do you think set up the paint can to fall? Was it Samuel, dumbass? And you trashed my room after, so stop crying. You did that? You bitch! You could have killed me with that fucking can! I almost got that freak Samuel fired! And that would have been bad. You're right, Victoria, for once. You actually think you're better than me? No fucking way. Guess I'll never be a member of the Vortex Club. No, bitch, you won't. You can't be rapping now. La chambre noire ou ne pas la prévenir? Oh, allez, on y va, on va déclencher le bordel là. Victoria, enough of this high school bullshit. We're adults now. So listen to me. Your life is in serious danger. I know you're close to Nathan, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at that party so we could take her someplace. Dark. Oh my god. And I'm the drama queen? Touché. But I am not fucking around here. Sorry, but no. No way. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not. You have to believe me. I don't believe anything you say. You're full of shit. Oh, hi, I'm Max Caulfield, and I'm so sensitive that butterflies make me cry. Now, will you listen? No, I won't.
you're just pissed because you didn't enter a photo in the contest and that Mr. Jefferson is going to pick me. A real artist would have busted ass to win, but you just want to take your little retro selfies. That is so fucking lame and lazy, Max. Just go find a community college. Victoria, please don't do this. Especially after what happened with Kate. Can't you see I'm serious? That's your problem, Max. This is a party, and it's the end of the world, so I am going to get so wasted, even you won't bother me anymore. I'll let Nathan know if he finally shows up. Adios. Au revoir. Au revoir. Génial, vas-y, Maggie. Woo! Okay, I tried. Not gonna believe me over ah oui, c'est vrai qu'en Belgique, on dit un GSM et pas un téléphone portable. C'est sûr, c'est plus court. That son of a bitch is not here. Where are you, Nathan? Ah, Chloé, c'est peut-être quelque chose, là, elle est arrivée. Chloé, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the lockers. Il y a le photographe, il y a notre, il y a notre ami professeur, c'est bizarre, mais... Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, hey, Mr. Jefferson. Vas-y, on lui dit, c'est are un adulte. Okay? Mais bon, il est peut-être au courant. You look like you're on a mission. Oh, Moi, quand même, je me fie à ce type. Looking for Nathan. Très bizarre. Uh-huh. I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole... Kate's situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build ah bah up that resume and portfolio. But chat, hein, c'est I know you will. Thanks. Ouais, tout le monde I hope danse so. Et s'enjaille. Okay, excuse me. Et Lilo est bourré après 29 whisky. Get the hell out of here, Max. Seulement, petit joueur. Okay, everybody calm down. Thank you. Thank you. Vous entendez cet applaudissement? I appreciate une salle de 3000 personnes. I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes téléphone. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Come on! Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Mr. Jefferson, it was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. La piscine, ou alors sur to le bord Kate de la piscine. Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Yeah, we have to go to the junkyard right now. Et toujours de lune, hein. Ah. On dirait que la deuxième est en train de disparaître. Ça y est, elle disparaît. Ouais, là, il va falloir se dessouler rapidos et se remettre dedans, là. Là, c'est une photo. Ah non, d'accord. Stop stomping around, Chloé. Right. Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Chut.
En tout cas, cet épisode est vraiment très très palpitant et très intense. Alors je sais qui. Nope, I don't want to go there. Non, elle veut pas aller là. Non, je ne veux pas aller là. Ok. Maybe we should have called the police. Oh, je pense que ça aurait été le mieux à faire, non? Peut-être ici, non? What the hell? Oh, il y a des gros rats. Gross. Gros comme des lapins. Are you looking for something back there? Ah, j'ai balancé de la thune, tu verras sur la vidéo, ouais. Aux filles qui dansaient en sous-vêtements, je me suis mis dos du coup à la caméra et je lançais de l'argent, comme ça. Max, me croyez dans hurry. Le club de striptease d'à côté, où je vais passer mes soirées. Sous. Mais non, c'est la folie des bottes en ce moment là. You're gonna suffer, Nathan. Bon, je suis Chloé. Hashtag je suis Chloé. Max, when we catch Nathan, you better rewind so I can kill him over and over. Look, on va le buter 15-20 fois et puis après cool. Bon. Max, please hurry. Lilo. Oh God, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Oh, c'est juste un pull. Oh, no. Vite, remonte le temps. Chloe. On peut pas reculer. Non. What the fuck? Elle vient de se faire tirer dessus. En pleine tête, putain. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de me faire droguer par derrière et... Oh oui. Et Chloé vient de se faire tirer une balle dans la tête. Oh non. Et c'est le prof. C'est le prof de photo. Je sais que c'est le prof de photo. Oh putain, c'est le prof de photo. Il avait l'air trop louche depuis le début. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Oh putain, c'est la fin. Oh. Ah, tu m'étonnes qu'on attende comme des tarés l'épisode 5 qui sort qu'à la fin du mois. Non! 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 Mais c'est pas possible! Oh putain! Et maintenant il l'emmène dans ta cave, Lilo! Oh la vache! Et bah putain! Alors là, je m'attendais vraiment pas à ça! Sgan, tu devais te savoir, car les photos? Ça va, c'est Chloé, l'habitude à force. C'est vrai qu'en tout début de jeu, elle s'est pris 3 fois des balles dans le bide avec moi. La suite au prochain épisode, en fait, vous attendiez tous de voir ma réaction. Bon, alors j'ai rigolé pour Rachel. Mais là, j'ai fait wow. Il sort quand exactement le dernier épisode? Alors là, dès qu'il est sorti, là, on va. Oh putain, je vais me jeter dessus. Jefferson! Putain! Bon. Voilà. On va quand même regarder les stats. Allez, on va regarder les statistiques par rapport au résultat mondial. Vous avez accordé la commande, la demande de Chloé qui était simplement de la tuer. Donc nous avons accepté de la tuer quand elle était donc handicapée dans la réalité alternative. On est quand même principalement pour l'euthanasie, hein, donc ça fait plaisir, tu vois. Alors, vous avez empêché Warren de tabasser Nathan, bon très bien. Les gens ont le sens de la justice. Alors, Chloé a tué Franck. Ah, on pouvait aussi tuer Franck. Ah oui, d'accord. À 5%. Blesser Franck n'a pas blessé Franck. Bon, voilà, il y a des gens un peu plus talentueux qui ont du cœur. Victoria n'a pas pris votre avertissement au sérieux à 19%. Ou alors, elle aurait pu le prendre au sérieux à 75%. De toute façon, elle est tellement conne qu'elle méritait de crever. Et donc, voilà. Bon. Elle mourra, j'espère pour elle. 20 octobre, l'épisode 5.
Oh bah c'est pas... Enfin moi du coup je vais juste attendre 5 jours, 5 jours, 15 jours. Bon, bah 15 jours, ça va aller, il y en a qui ont dû attendre beaucoup plus que ça. Fait combien de temps que vous attendez, vous, dans le chat, qu'il l'avait déjà fait? Combien de temps? Bon, maintenant du coup je peux plus me faire spoiler. Je fais tout tomber. Bon, suivant. Alors, sinon, vous avez sauvé le Merle Bleu, vous n'avez pas sauvé le Merle Bleu. Ah oui, le Merle Bleu qui se prenait un truc, ouais. Vous avez dérangé le nid, vous n'avez pas dérangé le nid. Non, j'ai surtout pas trouvé. Vous avez obtenu les dossiers d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon. Ou alors j'ai trouvé le code de la ville. Non, non, on y allait de la manière brute. Quête vous a aidé à trouver la chambre de Latan. Voilà. Vous n'avez pas convaincu Daniel de se rendre à la soirée du Vortex Club. Ouais. Vous n'avez pas laissé de message sur l'adresse de Warren? Non. Quoi, t'es pas venu au Vortex Club? Non. Oh. Je suis pas VIP. Hein. Vous n'avez pas découvert le code PIN de Latan? Ouais, bon, c'est pas très grave, on a utilisé ce code PUC. Vous n'avez pas aidé Alissa à 20%. Alissa, ah oui, non, ça va, on a déjà perdu notre temps deux fois avec Alissa à se prendre des trucs dans la gueule. Elle a qu'à porter un casque. C'est tout. Bon, ben voilà. On peut donc quitter et voir... Le petit cliffhanger de fin d'épisode. Oh putain. Bah il la drogue et il la prend en photo. Ah ouais, donc elle se retrouve dans le studio photo de tout à l'heure. Bah j'ai l'impression, ouais. Et voilà, c'est tout ce qu'on verra. La tempête. Tous les bougeux. Et voilà. Bon bah voilà, c'était Sgan. On attend impatiemment l'épisode 5. Sur ce, c'est la fin du coup de cet épisode 4. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment génial. J'ai vraiment hâte maintenant d'attaquer l'épisode 5 pour vraiment voir la finalité de tout ça. Voilà, bon merci. Bisous sur YouTube. Dans la description, il y a le lien pour nous rejoindre sur Twitch. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous faire coucou, comme ce soir sur le chat où ça a été la grosse Java. Allez, bisous, à bientôt.